qui était un combattant pour le droit à la liberté peuple noir aux États-Unis, un jour, il a fait une grosse déclaration. Et je dis, la déclaration, ça, il doit utiliser nos moteurs peuple haïtien comme l'huile qui pour soulever nous, soulever conscience nous, qui pour déclencher dans nous sens patriotisme, qui pour faire nous bataille, qui pour faire nous une autre fois encore remer pays nous. Martin Luther King lui te dit, jou nous fait silence sur ça yo qui est important pour nous, c'est jou ça la vie finie pour nous tous. Jodi on nous constater que pays nous Haïti a pas fini. Nous avons des problèmes dans tout domaine. Yo. Nous avons des problèmes d'éducation. Nous avons des problèmes économiques. Nous avons des problèmes sociaux. Nous avons des problèmes politiques. Nous avons des problèmes culturels. Nous n'avons pas même besoin de parler nous de problèmes sécuritaires. Nous avons des autorités. Nous avons des dirigeants. Nous avons des responsables. Nous avons des communautés internationales qui sont là. Qui implication yo? Qui rôle yo? Qui solution yo arrive pour te problème pays ya? En rien. C'est raison ça je dis en tant qu'haïtien, en tant que citoyen haïtien, nous devons commencer à assumer responsabilité nous. Hier, mon ami qui partageait avec moi une vidéo côté gagné un soldat dominicain devant un groupe haïtien, il prend drapeau pays nous, il râle koutol, il poignarde le fouille, il chire, il déchire drapeau. Li lage la terre, li passe la papier, li ramasse et puis le voye le jeter. Ça veut dire qui ça? Qui sa un drapeau représenté dans l'histoire du peuple? Yon drapeau son symbole. Yon drapeau li fait partie de nom nous comme peuple. Li fait partie de l'histoire pays nous. Li fait partie de tout ça nous gagne qui marque l'histoire nous, qui marque appartenance nous, qui marque ça nous y est comme peuple, qui marque ça nous y est comme monde, comme haïtien. Qui réaction gouvernement haïtien après à Francis là? Qui réaction haïtien qui vit en République dominicaine après à Francis là? Et je dis en la fois encore, je voulais partager ça me gagne de plus cher avec nous. Opinion. Une fois, Dominique passe drapeau pays nous en papier. Yo viole histoire nous. Yo fait cadre Jacques sous fierté nationale nous. Yo une fois Dominique a humilié haïtien. Ou pas besoin de tonne réaction par vos côté autorité la caille nous autorité haïtienne. Pas tonne réaction par vos côté Jean-Victor Généus. Li pa di rien comme d'habitude, yo pas jamais di rien, pas attendre que le pral di rien kounia. On connaît des amis qui pral di, oh c'est tout temps ça fait en République Dominicaine. Gen l'autre qui pral dou pendant manifestation yo là, mais haïtien prend drapeau Haïti et américain passer en bas pied yo avec drapeau la Russie, a mandé la Russie vini vini vini. Bon bagay pour nous comprendre, bon décantation, séparation, différence pour nous faire. Lorsque un simple citoyen, un individu, il prend drapeau, on paye, on le paye, il passe dans le papier, il humilie, il viole sa drapeau représenté comme un symbole de souveraineté de le pays, ça sont simple individu. La République Dominicaine, l'on n'a parlé d'un soldat dominicain qui prend drapeau haïtien. Li chire drapeau, li passe dans papier, li c'est comme si c'est haïtien même, c'est haïtien li envie prend pour humilier, pour pilonner, pour passer en papier puis pour voyer jeter. Et ça qui tristant devant groupe haïtien qui comportement yo, qui réaction yo tant qu'on paquet vivi, c'est dans yo y a grien. C'est dans yo y a grien. Pas aucun monde qui dit yo à l'attaquer, à riposter, à le poter bourré, à le battre avec dominicain. Non, non. Mais au contraire, en tant qu'haïtien qui vivent en République Dominicaine, nous pas qu'à continuer à prendre humiliation ça yo, déception ça yo. Nous connaissons déjà pas aucune autorité dans le pays nous qui pral défendre Haïti, qui pral défendre souveraineté haïtienne non, qui pral défendre peuple haïtien, c'est nous mêmes qui pour commencer ouais nécessité. C'est nous mêmes qui pour commencer ouais nécessité pour nous défendre. Pour nous parler sur ça qui est important pour nous. Le fait que chaque jour Dominique a violé la souveraineté de la caille nous, Dominique a passé nous en bas pied, Dominique a humilié nous, et puis nous fait carré coller nous la caille Dominique. Nous fait carré sentir nous à l'aise en République Dominicaine. Moi-même, je m'a demandé est-ce que tu es haïtien, le nous camper en pile fois.
En pile fois, n'a dénoncé autorité. En pile fois, n'a dit politicien c'est volé, politicien c'est ceci, politicien pas qu'on autre. Mais chaque action dominicaine ça a fait. A fait haïtien subi en République dominicaine. Pour ouais haïtien fait carré continuer senti à l'aise en République dominicaine. Moi même m'a demandé est-ce que haïtien, est-ce que nous moun toujours? Est-ce que nous sentons nous moun toujours là nous fait carré continuer à prendre humiliation en bas bouche dominicaine la caillou et puis nous sentons nous à l'aise nous confortable pour nous vivre en République dominicaine. Nous pas qu'à parler de bataille de changer pays alors que moun cap humilier nous yo c'est la caillou. C'est la caillou nous sentons nous sentons nous à l'aise. C'est la caillou nous sentons nous ca vivre alors que nous pas venir mettre maintenant pat la caillou nous pas venir coller les épaules la caillou nous pour nous bailler. Autorité ça yo dirigeant ça yo qui sous pouvoir qui pas prendre bon merde qui pas défendre souveraineté pays nous pour nous faire sentir en tant qu'haïtien nous même nous parler pour nous impliquer nous dans changement pays nous dominicain bon dou jodi an là Luis Abinader qui utilisait question racisme gain contre haïtien qui utilisait Haïti comme bouc émissaire pour mener politique la caïli c'est parce que dominicain yo même bonne partie dans peuple dominicain qui reconnaît qui conscient yo pa reme haïtien yo pa vle haïtien oui le fait que li gon président dominicain gouvernement dominicain gon facilité pour le mener en politique anti haïtien république dominicaine c'est parce que bonne partie dans peuple dominicain qui accepte le fait que yo pa vle collaborer avec haïtien. Donc je dis en tant qu'haïtien faut nous même nous choisir qui ça nous voulons, faut nous même nous connait qui ça nous voulons. Si nous voulons vraiment pour la caille nous gon aller mieux, si nous voulons vraiment pour la caille nous gain stabilité, nous voulons vraiment pour la caille nous gain sécurité, faut que nous commencions à assumer responsabilité, nous bataille lancer Haïti lié. Bataille lancer pour la République dominicaine lié, bataille lancer Haïti lié. Et m'a regardé un sénateur dominicain qui lui-même il t'a fait en allocution, l'a expliqué, l'a exposé un ensemble de faits qui gain pour exactement à ça ancien premier ministre Claude Joseph qu'on a exposé qu'on a dit sur République Dominicaine. País que el gobierno del presidente Abinader ha utilizado la crisis haitiana y ha fomentado la crispación de la relación dominico-haitiano. Porque con esto oportunistamente lo que se busca es ganar adecto, exacerbar los sentimientos nacionalistas para alinearlo políticamente y eso es ejecutar una política de irresponsabilidad con un vecino como Haití, que representa el único socio con el que tenemos un saldo positivo de la balanza comercial. El gobierno del presidente Abinader ha manejado con un alto componente de populismo la política dominico-haitiana, solo por buscar likes y por buscar mejorar su imagen ante el electorado dominicano, ha comprometido todo lo que ha ocurrido con el vecino país de Haití. Y por eso es la preocupación de los empresarios. Effectivement, président dominicain Abinader, c'est Haïti l'a utilisé pour le café au capital politique, pour café parler de lien République dominicaine. Depuis on pas venir avec dossier Haïti, dominique presque pas contre qui ça Abinader a réglé l'autre bois. Il pas contre qui ça gouvernement a réglé l'autre bois. Donc, m'a tendé quelques amis qui ont même été partager opinion sous vidéo. Des amis qui dit au fort haïtien t'a commencé bouler tout, prendre drapeau dominicain, aller sous zone frontalière yo, bouler drapeau, passer drapeau en bas pied. Non. Me dit non catégoriquement. Pour qui ça parce que j'aime dit nous dans commencement, yon drapeau son symbole lié. Et pour un soldat dominicain encore plus qui fait drapeau à ça, qui déchire drapeau, qui passe pays d'Haïti en bas pied comme ça, yo t'a supposé presser balle sanction. Si dominicain t'a voulu éviter un scandale diplomatique, presser faut clamer ta bail sanction contre militaire ça contre soldat dominicain ça. Et faut Victor Jean-Victor Généus, faut gouvernement Ariel Henry, faut que t'a réagi presser. Ça seulement li ka éclater son incident diplomatique, son scandale diplomatique et ça tout li ka déboucher son déclaration de guerre. Imagine ou même comme haïtien à la frontière dominicaine ou al bouler drapeau ou al passer drapeau en bas pio. Yo t'a jamais content. Yo pas jamais content, yo t'a porter bourré sur haïtien ça yo. Yo t'a porter bourré et surtout malgré tout problème haïtien ka gen avec dominicain,
Nous toujours mettons dans tête, nous c'est nous qui avons plus à perdre. Dominique, vous connaissez. Vous connaissez les Haïtiens qui ont plus à perdre parce que c'est nous-mêmes qui avons le pote bourré la caillou. Nous investissons la caillou, dans l'université la caillou, dans le travail la caillou, dans le fait caillou la caillou. Donc nous avons plus à perdre nous-mêmes et c'est une des raisons qui fait ce comportement ça a gagné parce que vous montrez pas besoin. Si Dominique n'a pas besoin de la caille, bon, pour qu'il soit obligé de rester. Ou rester, comme si on colo à Crazy Glou la caille dominicaine, ou obligé, ou vle. Toute volonté, c'est pour c'est en République dominicaine, alors que vous besoin de la caille ou changer. Ou besoin de la caille ou de sécurité. Et ça fait autorité haïtienne, vous considérez le peuple comme zombie, vous zombifiez nous. Nous dérefuser impliquer nous dans changement la caille nous dérefuser bay tête nous possibilité pour impliquer nous dans vie politique la caille nous en tant qu'haïtien jodi moi même si me choisi impliquer dans vie politique de dans pays dénoncer tout ça qui pas fait sens dénoncer tout ça qui pas marcher dans principe dans norme c'est le voir comme haïtien c'est le voir comme monde c'est le voir comme citoyen. Et c'est responsabilité m'tou, jodi an comme citoyen haïtien, on part de responsabilité qui c'est dénoncer impunité, dénoncer injustice, dénoncer abus, dénoncer mauvaise gouvernance. Et m'a dou ça honnêtement. Dans tout pays qui gen corruption, suiv pou wè. Depuis ces pays qui gen corruption là-dedans, autorité yo, moun k'ap gouverner yo, yo toujours choisi. Yo toujours choisi ça qui a attiré l'opinion publique là, ça qui a attiré plus moun vers yo même là, c'est lui même yo priorisé. République Dominicaine bagay corruption qui sort yo mettre sous table haïtien. Immigration illégale, immigration clandestine, haïtien femme enceinte cap débarquer la caillou vin accoucher la caillou. Avant y a un ami qui partageait avec mon caricature. Yo montre dans caricature là, haïtien son femme enceinte. Haïti a pays nous son femme enceinte et puis la vomi petite la caillou. Ya n'a poussé petite en République Dominicaine. Nous on sait de la caille nous prend gros la caille nous, n'a fait ti moun yo dans pays voisin. Pour montrer yo dégrader haïtien, yo dégrader Haïti. Nous fait carré continuer. Moi même toujours dire, c'est pas parce que on moun gon un moyen qu'il faut qu'arrive en République Dominicaine pour sentir tout confortable. La vie ou même gens avec la vie moun k'ap travaille sous chantier ya. La vie ou même gens avec la vie moun k'ap travaille dans marché ya, dans bar, dans restaurant, la vie nous toute menacée. Parce que Jou Dominique qui décide la fond massacre la fond passer mais prend haïtien qui la caille li pas choisir haïtien li pas prendre choisir haïtien li pas dire ça gagne plus belle figure ça gagne plus l'argent ça c'est si, ça c'est là et d'ailleurs investissement qui fait dans la République Dominicaine yo si Dominique choisit li dit l'a décrété tout bien ça tout bien haïtien fait en République Dominicaine l'a décrété au c'est bien national yo. La décrété d'utilité publique, qui soit qu'a dit, qui soit qu'a fait, qui soit qu'a dit, ou pral bataille avec yo, ou pral bataille avec yo. Donc je dis, on comprenne bien, si vraiment nous voulons Haïti changer, nous voulons Haïti gon l'autre figi, faut que nous commençons à assumer responsabilité nous. C'est pas espérer que Haïti change. Tout le monde a quitté Haïti, rentré en République Dominicaine pour plus près, pour aller serrer corps, pour aller cacher. Haïti gagne trop insécurité. Oui, Haïti gagne insécurité. Haïti pas de travail, c'est chômage. Oui, nous conscients. Mais qui est-ce qui pour créer travail? Ok, c'est job l'État pour créer travail. Mais si nous tout a fui, si nous tout a couru aller, n'est-ce pas qui déjà pas envie créer travail? N'est-ce pas qui déjà pas de volonté pour créer travail? Y a pas besoin de monde qui, y a pas besoin de monde qui motive. Y a pas besoin de monde qui a bail au booster. Y a pas besoin de monde qui a mobilisé à terre souterrain qui pour obliger n'est-ce pas prendre responsabilité. Yo. Haïti gen problème et sécurité, nous tout al caché kon nou en République Dominicaine. Moi même chaque jour m'gade information yo sur République Dominicaine. République Dominicaine gen violence tout. République Dominicaine, chaque jour tande a poya de moun. Chaque jour tande gen ti bandi kap rentre dans business téléphone moun. Vole bagay moun, touye moun. Gen yo en République Dominicaine. Mais qui sont ouais ou gen décision qui a probablement côté gouvernement dominicain hein, pour regarder comment yo ka contrecarrer phénomène nan. En Haïti qui ça nous est nous-mêmes en Haïti puisque tout le monde a fui tout le monde a couru quitter Haïti ça vient nous retirer toute volonté toute envie pour négio ta résoudre situation hein. Ça vient nous retirer toute envie négio ta gagné pour yo bon Haïti qui gen sécurité là-dedans parce que nous tout a couru nous pas bataille nous pas camper goumé. Je dis là, si nous voulons Haïti changer, c'est camper goumé lié.
Tout le monde a aimé Haïti changer, mais nous tous peut impliquer nous. Moun sa yo qui choisit impliquer dans la bataille, moun sa yo qui choisit prendre gaz. Chaque jour, dans la manifestation, après gaz lacrymogène. La police a tiré sur eux à balle réelle. La police a fait répression sur eux. Nous pensons que les gens ne savent rien pour eux faire. Les gens ont des petites pour eux à l'école. Les gens ont des cailles pour eux payer. Les gens ont des manger pour eux bâtir. Les gens ont obligé son choix. Ils font choix pour eux paraître silence. Ils font choix pour eux parler. Pour eux dénoncer impunité. Pour eux dénoncer mauvaise gouvernance, mauvaise gestion qui gagne dans le pays. C'est tout choix. Je dis, si nous avons un choix pour nous faire, c'est choisir impliquer nous dans ce qui a changé le pays. Ariel Henry lui-même qui est dans le gouvernement. Tout le ministre qui est dans le ministère qui n'a pas pris le merde. Son choix est fait pour arrêter. Il ne connaît pas pris le merde. Puisque pas de monde, puisque vous estimez pas de monde qui a pris le chaleur, qui a poussé de l'eau, vous avez un choix pour arrêter dans le poste. Pour jouer privilège, gagoter l'argent, jouer privilège. Dépenser l'argent, deuxième résidence, perdième, y a gagoté l'argent. Et puis nous-mêmes, nous étions de loin, au pays pas bon. Nous étions de loin, au qui les pays a changé. Nous étions de loin, qui ça pour nous faire encore. Nous étions de loin, au Haïti ça a un problème. Haïti a un problème, puis il m'a caché l'eau. C'est le monde qui vit en Haïti qui comprend effectivement qui problème Haïti ça a. Pays a un problème. Ou non, pays ou pas qu'à faire aucune projection. Jodi, on te a choti mami diri 100 goud. Ou pas qu'à demain si Dieu veut souge 500 goud pour Jobral font manger pi bagay. Non. Manger après, du parce que demain on kache ti mami diri à 125 goud. Jodi, on achete un galon gaz. Ou achete un galon gaz à 350 dollars. Demain on achete le 400 dollars. L'autre week-end ça arrive, ou pendant la semaine, ou presque pas de gaz dans la rue, l'autre week-end, il y a 500 dollars sans retirer sans mettre. Qui soit café? Ou café projection? Ou pas café projection? C'est ou bien tout, Haïti, dans ce moment-là, c'est rendu pour Zeb. Son bagage qu'on s'allie. Ou travail. Bon, quand il y a un paquet d'entreprises, c'est petit contrat, moi, il fait. Oui, petit contrat, moi, il change bagage là, catégoriquement. Employé, c'est contrat, moi, renouvelable. Pour qui ça? Parce que, pas de activité yon dou, entreprise pas ka fonctionner, entreprise pas l'ouvri, yon pas ka prendre même moun yon, même quantité moun yon, yon pas ka payer moun yon, même gens encore. Si ça yon ba oua, si kaka ren yon ba oua, li tout gen te passe, ren ni pou zèb. Pas gen yon, pas gen vie. Pays yon pas ka continuer comme ça. Sou kon zami nan diaspora ki avec le problème ni, le moun ni la supporte en Haïti, leur fon sacrifice liye don, li pas ka fèl chaque semaine. Ni pas qu'à faire chaque mois. Jodi on sait ou même demain son l'autre, après demain son l'autre, après demain son l'autre. Problème moun yo multiple. Tout moun gen lo problème par yo, tout moun gen lo malè par yo, yo a traîné de elle. Jodi on la qui est-ce qui suppose assumer responsabilité? Hein? Nous gon gouvernement qui là, nous gon groupe nèg qui pas réglé merde dans tête pays, hein? Que nèg yo assumer responsabilité yo, ou bien yo retire corps yo pour gon nouvelle forme de politique publique qui a mené dans l'institution yo. Moi même clair sur ça, pays pas fonctionner sans implication citoyen. Pas aucun pays où est là où est qu'a fonctionner pour comprendre son baguette magique, pour comprendre ses magies. Non, c'est implication tout secteur yo. Secteur public là implique ou bien secteur politique là qui implique elle, ou bien secteur privé qui implique elle, ou bien citoyen qui implique yo. Nous songeons 20 janvier ça te passe capitale. Le partisans pour Donald Trump, yo te débarqué dans Capitole, yo prend Capitole d'assaut, yo saccagé, yo vandalisé. Si Américain pas gagné institution démocratique dans pays, si États-Unis pas prioriser démocratie, pas prioriser respect institution yo. Nous pensons yo t'ap joindre Américain ça, nous pensons Américain ça yo t'ap dans prison? Non, yo t'ap douté Donald Trump, c'est partisans Donald Trump, oh c'est persécution politique et puis tout le monde tout bagarre t'a fini. Tout le bagage est fini, non, qui ça fait? Yo cherche dans la caméra, yo employé moun qui pour chercher minutieusement, chita, identifier chaque visage ou passé en dedans congrès, identifier chaque action yo pose, moun sa yo pour FBI chercher yo. Moun sa yo mette agence fédérale derrière yo pour chercher yo pour emprisonner yo. Yo condamné yo parce que yo violé institution démocratique yo. Yo violé respect. Institution démocratique yo, nous même nous gè parlement dans pays nous, nous bat di journal avec poupou.
Nous avons parlement dans le pays, nous, soi-disant pour te faire opinion passer, soi-disant pour te empêcher séance faite, nous craser tout ça que t'es dans le parlement, craser bureau, craser chaise, craser microphone. Nous songeons groupe ça, yo, Nenel Kassi, Rika Pierre, Don Kato, nous songeons yo. Qui disposition que j'en prête contre même? Qui disposition qui j'en prend en yen zéro barré? Et puis nèg sa yo comme récompense, yo nan pouvoir jodi an. Comme récompense, yo ministre. Comme récompense, y a mettre moun nan gouvernement, y a mettre moun nan tête institution. Haïti c'est l'envers démocratie en nous fait. En Haïti si autorité en dedans pays, nèg ka fait politique pa vle respecter principe démocratique yo, pa vle respecter institution démocratique yo, pa vle respecter symbole souveraineté pays yo. C'est pas moun dehors, nous pral respecter haïtien. Nous gè sénateur, nous gè député, nous ka mete poupou nan parlement. Youn nan symbole démocratique en dedans pays yo. Youn nan symbole souveraineté en dedans pays yo. Et puis kounya on pral wè nèg sa yo ki pral montre yo fâché parce que Dominique chire drapeau. Non, nous pas gen droit fâché. C'est peuple gen pour qui gen droit pour le fâché. C'est moi même qui doit révolter, c'est ou même qui doit révolter. Mais vagabond qui fait politique de gren gauche sa yo qui fin craser institution emblématique en dedans pays yo, qui fin craser institution démocratique en dedans pays yo, yo pas gen droit pour yo parler leur l'autre nation a humilié Haïti, leur l'autre nation a humilié haïtien. Yo commencé avant. C'est yo commencé qui ouvre porte pour l'autre moun yo. C'est yo qui permet à ce qu'on paquet l'autre pays minimiser haïtien, passer Haïti en bas pied au plus. Nous pas faire politique, n'a faire politique. Nous pas connait ça veut dire démocratie, n'a parler de démocratie. N'a parler de démocratie alors que tout symbole, toute sa démocratie entraîné d'elle, nous oublier yo. N'a souiller yo, n'a passer en bas pied. Comme si démocratie pas li pas marcher avec respect droit moun. Démocratie pas marcher avec respect droit moun, droit pour l'école, droit pour sécurité. Li marcher avec tout bagaille ça yo. Démocratie en marche avec respect liberté individuelle. Ou gen droit pour manifester, la police pa gen droit faire répression sou. Mais jodi a utilisé PNH pour faire répression. Donc haïtien c'est contraire démocratie. Nèg sa ou ka fait politique, yo ouvri porte bay l'autre pays pour violer souveraineté nous, pour violer intégrité territoriale nous. Donc voilà où nous en sommes avec Haïti. Et m'a dit nous ça très clairement. Nous rive là, c'est résultat mauvais choix politique nous, mauvais choix dirigeant yo. Nous rive là, c'est parce que nous pas assumer responsabilité nous. Le nous gon paquet val pas dans tête institution yo qui pas prendre en merde, mais plutôt c'est privilège yo vinn joui. Nous pas assumer responsabilité nous pour demander moun sa yo ba nous compte, rendre nous compte pour moun sa yo pour nous voyer en côté pour y aller réfléchir. Nous pas faire. Honnêtement, jodi an la, si nous font ti constat, qui est parmi 18 ministres Ariel Henry qui ont un bagage sérieux à régler là? Si vous avez un ministre Ariel Henry, vous avez un ministre qui est dans le gouvernement Ariel qui a réglé un bagage là, dites-moi qui est, dites-moi qui ça l'a réglé. Parce que moi-même, honnêtement, je ne sais pas qui ça l'a réglé. Et si vous avez un ministre du gouvernement Ariel Henry, vous avez un minimum de décence dans vous. Et d'ailleurs, respectez tout le monde, mais là, honnêtement, vous n'avez pas mérité pour respecter vous. Vous n'avez pas mérité pour même camper, pour garder au danger, pour qui ça, parce que yon pas inspiré peuple à en rien de bon. Yon pas inspiré jeunesse à en rien de positif. Qui ça yon fait de concret? Si moun sa yon te gagne nan figu, yon faut yon ta démissionne. Faut yon ta remettre démission yon en vrac ou bien green pa green pour yon démissionner, quitter gouvernement ça, quitter tête payant, nous pas régler en rien. Bon, nan ki paye ou passe dans le monde là, pour tende, nous pralge un mois là, question gaz, pour question gaz, on pays fermé, on pays pas qu'à fonctionner. Pour question gaz, l'école fermée, gouvernement annoncé réouverture des classes, gang décide de fermer l'école. Chaque semaine, gon lis l'hôpital qui décide, qui annonce a fermé porte, pas qu'à recevoir malade, yon pas gaz pour yon fonctionner. Et qui ça qui gaz, s'il vous plaît? Gaz son produit transversal. Ou besoin de gaz pour l'hôpital fonctionner? Ou besoin de gaz pour l'institution l'État pour fonctionner? Ou besoin de gaz pour l'école fonctionner? Ou besoin de gaz ou besoin de gaz pour circuler, pour activité de tous les jours? Ou besoin de gaz pour banque fonctionner? Ou besoin de gaz dans toute activité ou affaire de dans pays dans vie quotidienne chaque jour? Ou pral gen un mois là
tout bagay campé, on pays bloqué pour question gaz. On groupe bandi occupé une principal terminal pétrolier dedans pays, gaz pas ka circuler. Gaz pas ka sorti, gaz ou pas ka joindre gaz pour fonctionner dans pays, alors que tout ministère qui impliqué dans question gaz, ministère yo fait carré là. Yo fait carré rete dans portion. Et puis pays même peuple a souffri. Donc n'a comprendre puisque nous rete passif, puisque nous pas jamais dit nèg yo rien, c'est une des raisons l'ouais n'a prend bateau pas pile pas paquette, à risquer la vie nous sous la mer, Ariel a gouvernement là pas dit merde, autorité pas dit merde. Au contraire, li plus bon pour yo que chaque jour un groupe haïtien qui quitte pays en calé. Nous courir quitter Haïti dans serrer en République Dominicaine, n'al chercher la vie mieux en République Dominicaine, n'al prendre humiliation, n'al prendre déception, li pi bon pour yo. Moins problème, moins problème, moins cancan pour yo. Donc c'est ça. Jodi on doit comprendre. Le la fuite paysan, la fuite n'est pas une solution, ce n'est jamais une solution. Au contraire, li arranger politique nèg qui sous pouvoir yo. Li arrange yo parce que yo senti yo pi confortable yo pa gen moun pou yo rendre compte. Yo senti yo pi confortable yo pa gen moun ki a faire des exigences et jodi an nou supposé faire nèg sa exigence chaque jour, chaque jour, chaque jour. Nous pa ka continuer à investir et puis c'est échec n'a prend. Nous pa ka continuer à faire sacrifice et puis c'est échec n'a cumulé. Chaque jour échec, échec, échec. Alors que nous gen moun qui t'a supposé là, qui pou t'a réfléchir pour nous, qui pou t'a penser pour nous, pour garder comment on ka retirer pays en un point A, à le mettre en un point B côté que chaque grand haïtien a bon minimum pour vivre. Jodi an nous pa ka parler de vivre en Haïti. Bon, comment on vit dans un pays où pas circuler? Comment on vit dans un pays même dans la cale où bandi a vinn kidnapper? Qui vit dans un pays comme ça? Qui vit dans un pays pendant que malade même accès avec soin pas ka joindre l'hôpital fermé parce que bandi pas avle rien fonctionner en dedans pays? Et qui pise, nous gagne dans tête pouvoir, nous gagne dans tête l'état, un docteur, un médecin. Un médecin qui connaît qui importance la santé gagne, un médecin qui connaît qui importance un bon régime alimentaire, il faut bien manger. Pour être en santé, il faut bien manger, faut manger sainement. En réalité, comme tout le bagage, mais il n'y a pas de créer conditions, non? Il n'y a pas de créer conditions pour être en santé. Il n'y a pas de créer conditions pour manger bien, pour gagner la santé. Donc, que nous mourions, nous finissons, c'est ça que nous avons besoin. Nèg yo créé toutes conditions, yo cherche toutes gens pour détruire les Haïtiens, pour détruire la vie nous en Haïti. Gang a tué nous. Nous pas vle rete en Haïti, n'a pran kante, requin a manje nou. Nou kite Haïti dans le pays voisin la République Dominicaine, y a coupé tête nous, y a poignardé nous, y a assassiné nous, y a humilié nous. Bon qui ça pour nous faire encore là? Qui ça pour nous faire? Sinon que retourner en arrière, tourner la caille, nous tourner dans racine nous vinn bataille. Nous pas qui révolution que t'es fait au Sri Lanka? Nous parlons comment le peuple Sri Lankais a été pris la rue, sans craser, sans briser, sans modaliser, sans déchouquer. Yo nous, yo pral pren sac pour yo, yo pral mette moun sa ou ki pa ka bay résultat de yo. Jodi an la, faut que nous commencer prendre exemple de ça qui bon. Faut nous commencer prendre exemple de ça qui bon pour nous mener révolution, pour nous traîner révolution à la caille nous. Moi même si m'bas nous fatigué, m'fatigué. Je fatigué parce que chaque jour, on regarde, on cherche une petite lueur d'espoir, on regarde quand on tire espoir sorti, ou presque pas espoir. Chaque jour, on enfonce nos boubiers, on enfonce nos kachouboumbe politiques. Et qui est-ce qui crée tout ça dans le vivant de notre pays comme instabilité, comme insécurité? C'est les nègres qui ont fait politique, qui a lié avec nos mafias économiques, qui jouent dans un groupe gang, un groupe bandit, un groupe nègre sans cervelle, qui a déstabilisé un pays, qui a tout yé malheureux, malheureuse qui semblait avec eux, au profit de l'autre groupe nègre qui n'a pas gagné. Rien comme intérêt en dedans pays en tout bon doux. Nèg sa nous penser qui là. Nèg sa qui fait deux trois petits market en dedans pays en qui fait deux trois petits business. Nous penser c'est intérêt, c'est principal intérêt ou non? Yo fait ça comme façade, faut que yo gon bagarre en Haïti pour yo faire comme pour yo faire corruption puis bien, yo mettez mais tout intérêt nèg sa yo, c'est États-Unis, c'est Canada, République Dominicaine, c'est la France, c'est là intérêt nèg yo. Quand tu es million, quand tu es milliard, c'est là qu'il y a le serrel. Ça, il y a en Haïti. Comparé avec ça, il y a dans le pays, pas rien. Ça, son apparence, vous comprenez? Son apparence, il y a mis là devant nous. Nous comprenons, oh, peuple a pris la rue, il y a vandalisé.
vandalisé, yo pillé business, etc. Yo après ni relé là, yo relé directeur ONA. Yo passe un coup de fil et puis s'entendé à là, l'argent vide sous yo. Et puis ou même malheureux malheureuse qui gen 10 ans, 15 ans, 20 ans contribué dans ONA, ou pas ka jwenn kòb ou a pou prete. Ou pas ka jwenn kòb ou, mais réalité nan vivant dedans pays a. Li lè pou nou commencer prendre conscience. Li lè pou nou est nécessité pour nous impliquer nous dans vie politique dans pays nous. Pour nous impliquer nous pour nous mande nèg sa reddition de compte. Si yo pa ka ba nou compte, si yo pa ka di nou mais qui ça refaire avec l'argent nous, yo place yo pas là. En tout cas, peuple haïtien, n'a pas comprendre que jodi en situation pays en vraiment difficile, moment extrême tant yo dur. Tant yo dur en pile. Donc comprenez bien. Or, il y a le gouvernement dans le moment ça là, il y a un paquet de politiques trois terres là, il a profité de tirer avantage sous nos peuples. Il a profité de tirer des avantages sous nos peuples. Et c'est ça que fait. Bataille pas fait des téléphones. Bataille c'est souterrain. Soit là pour motiver le peuple ou bien souterrain avec le peuple. Mais question, pour nous toujours, un groupe moun moi là, moi-même, il a toujours été derrière un téléphone. Seul ça a fait c'est critiquer. Pas jamais gagne qui bon devant yeux yo. Pas jamais gagne un monde fait qui appréciable devant yeux yo. Yo toujours mal dans tout bagay. Jamais on côté positif dans action un monde fait. Moi même ka gen tout problème avec tout dirigeant qui a fait politique en Haïti. Depuis 30 dernières années ça, parce que résultat pas gagne de concret qui rete comme ça yo fait, comme ça yo quitté comme héritage pour pays pour peuple haïtien. Mais si moun non jour font bagay qui positif, qui mène en lutte. Nous voyons au moins qui a abouti avec un bagay, faut nous dire, l'idée de mettre n'importe néglité à là. L'idée de mettre n'importe acteur politique l'idé à. Quel te Youri, quel te Nenel Kassi, quel te André Michel, quel te Moïse Jean-Charles, n'importe quel te Anel Belize, n'importe néglité à. Depuis yon font bagay qui positif, qui kapote des intérêts avec les haïtiens, n'a pas dit. Mais depuis, ces peuples a déprimé. C'est qu'est-ce l'état y a déprimé. N'a pas dit tout. N'a pas dit parce que nous-mêmes nous pas marré dans pied tabou. Ken nèg nous là n'a font travail citoyen ça pas gain prix. Li pas gain prix. Nous connaissons depuis samedi passé à la nouvelle choc nous te recevoir qui était Dessert Mika Ben artiste que tout le monde aimait. Chouchou peuple, chouchou pays. Et c'est après la nouvelle en molle que nous te prend après en prestation, il était fin fait dans Accor Arena à Paris. Mais depuis lors, il y a un ensemble de formations qui a circulé, il y a des gens qui cherchent à faire buzz, il y a des gens qui cherchent à views. Vous comprenez? Ils ont profité, il y a des gens malgré toute tristesse que la famille a partagé, que le pays a ressenti dans ce moment-là, il y a des gens qui ont cherché à tirer profit dans ce moment de deuil, dans ce moment de tristesse. Et sous réseau-là, et famille Michael Benjamin yo gèt dénoncé ça, gèt un gros paquet de profiteurs qui gèt lancé GoFundMe, qui gèt a fait lever de fonds, qui a mandé l'argent, qui a pris l'argent sous dos Mika Ben. Comprenez bien, ici on pas dormi dans n'importe situation nous yé, yo montré toujours gen mauvais monde qui a fait zak, gen zaké. Et situation ça li déranger famille artiste, déranger famille artiste, ça t'est obligé mettre dans situation pour écrire note pour dire que yo pas gagne rien pour avec GoFundMe lever de fond qu'a fait. Faut nous vraiment prudent, faut nous réactif. Et non mitan toute information ça, on paquet information qu'a partager, moun k'a bay menti, moun k'a essayer et forger et des informations pour yo bay comme si yo t'es là, etc. Et bien gagné Karel Ped qui c'est un nan moun qui t'es proche Mika Ben, qui c'est un nan journaliste qui t'es sous stage même qui t'es assisté ça t'a fait la prestation t'a bay yo li mieux placé pour lui expliquer tout ça qui t'est passé, comment Mika Ben avant, comment Mika Ben pendant prestation, et tout effort que différents groupes moun qui t'est intervenu, pompiers, sam ambulance, l'autre médecin qui t'est intervenu, comment opération t'est etc. Et comment yo t'est recevoir nouvelle, moi Mika Ben. Mais ça pas fini tout. Gagne préparatif là qui a fait pour yo transporter Mika Ben. Nous déjà apprendre là gagne ministre et culture là et Mli prophète qui a annoncé funérailles nationales pour Mika Ben, comment toute démarche ça yo a fait etc. pour qu'a permettre à ce que enterrement li fait. Mais bon bagay qui est extrêmement important, je voulais partager avec nous avant que nous faisons tendre et intervention Karel Ped là. C'est l'amour, importance l'amour gagne.
importance l'amour gagné pour partager avec proche, partager avec un monde qui faut sentir ou bien partager avec un monde qui aimer. C'est pas tant le monde n'a pas là pour dire oh mon regret que m'pas gagné tant Yannick, j'aime apprécier le travail li, j'aimerais aimer intervention li, j'aimerais aimer tendre le cap parler sous paysan, sous situation paysan. C'est toujours dit monde j'aimerais aimer, j'apprécier. Indépendamment de côté moun nan yon, distance pas ka fort pas di on moun jan remèl. Distance pas ka fort pas exprimer l'amour, émotion, sensation gen pour on moun. C'est ça qui est extrêmement important. Nous konnen moment présent à vivre là. Nous wè moment présent à vivre là, mais nous pas konnen ki lè la fini. Nous pas konnen ki lè nous pralé, nous pas konnen comment nous pralé. Donc c'est ça qui est extrêmement important. C'est ça qui fait moi même toujours tien pour partager n'importe petit moment, on comprend n'importe petit moment et rencontre là et petit moment émotif là, partager là avec fanatique moi monde qui est important pour moi, amis, famille, parce que si nous ca fait me sentir bien en retour, faut me ca mettre nous dans pour nous, faut me ca faire nous sentir nous bien. C'est ça que me toujours apprécier. Ma fois émission que sans monde qui a regarder, me connaît non sans monde qui a regarder là, même là tu as gagné deux monde qui pas trop aimer Yannick, mais si nous ca prendre temps nous en bas live là, c'est parce que nous aimer travail là, nous aimer Yannick, nous aimer ça m'a partager avec nous façon m'a aider nous comprendre réalité politique là, j'ai m'a l'ouvrir nous. Donc nous toujours apprécier fort nous consenti pour nous là avec dans émission pour nous réagir après émission dit Yannick, mais ça me t'aimer, mais approche me t'aimer, mais ça me proposer, mais ça me t'aimer ouais pour pays, mais ça me t'aimer faire pour pays, même le nèg ba nou opportunité mais n'a bataille n'avancé parce que jodi c'est parce que moi même moi reme pays qui fait me choisir faire sacrifice. C'est pas un travail qui facile, c'est pas un travail qui facile. Chaque jour parler d'ailleurs physiquement parler en pile là, gen moun qui pas supporter problème santé, problème économique. Nous non pays côté que chaque jour gen fluctuation prix. Même là, je choisis la avec nous parce que je m'aime pour me porter travail là pour nous. Je m'aime chaque jour pour me parler politique pour moi. Qui ça, ça a porté de positif dans le changement pays? Comment je peux contribuer dans le changement pays? C'est parce que je m'aime pays. C'est parce que je m'aime travail là qui fait là chaque jour avec nous. Donc, il était important pour me dire ça. Pour me dire nous j'aime remet nous j'en nous soukèm et j'aime connait tout en pile là nous remet et gen moun ki di me directement. Donc ça toujours fait un plaisir et m'a quitté nous avec Karel Ped qui pral ba nous plus information, plus détails sur comment ça te samedi et qui et perspective qui gagne là pour préparation funérailles et Mika Ben. Nous tande Karel Ped. Bonjour. Bonjour. Ou parle toujours. Oui, me parle toujours. Hier soir, participer à hommage que vous rendez devant Aqua Arena à Mika Ben. Qui vient ça te passé? Bon, ça te passé, m'a dit plutôt bien, même si t'es gagné en pile la pluie, mais par rapport à la quantité de monde qui t'est venu, dévouement, mon yo t'es gagné, amour que vous t'es manifesté pour Mika, moi, pas t'espérer tout ça. Et l'équipe qui était organisée là, qui sont association haïtienne, mais qui ici là, pas même espérer tout ça non plus, parce que je t'ai dit que très souvent, je t'ai dit communauté haïtienne en France là, pas réunie, pas organisée, etc. Et ouais, que tout le monde ça, malgré l'appui de Vini, c'était un bon soulagement et je pensais que Mika côté lié à content en pile pour ouais, genre que communauté France là, et Bali l'amour, et je suis certain que manifestation ça va continuer pendant longtemps encore, même après funérailles Mika. Qui est la cérémonie qui a déroulé hier soir? Et normalement, on était rendez-vous pour 20h et qui c'est 8h du soir, mais moi-même, quand moi j'ai gagné des posters que moi j'ai fait imprimer pour Mika avec des fleurs que je devais porter, moi grand ami même qui était descendu tout près à Aquarina, moi dit à bref, elle le a. Bon, pour disant même là, et puis ensuite, vers 8h, m'a venu. Pendant moi, non, ou, ben, m'a passé devant, moi, ouais, j'ai deux fleurs qui étaient posées déjà avec un drapeau haïtien. C'est là, ça, que me descend, et puis, me réaliser que, mon, t'es qu'étant venu avant le. Donc, le monde venu avant le, moi-même, moi, tout rété, et, m'était jusqu'à 11h du soir, et l'autre pas. Et, t'es, ouais, mon, y'a venu, pile, mon, t'es venu, t'es commencé à déposer fleurs jusqu'à ce que, m'a dit, peut-être délégation officielle là vini avec ambassadeur, avec Michael, avec Richard, avec Fito, et reste équipe de production qui était en France jusqu'à présent. T'es mon yo t'es chanté, t'as joué musique Mika,
et en pile fleurs, mais vraiment en pile fleurs. Moi, je poste une photo, même pas quoi que photo à la quantité de fleurs que je vais recevoir en justice, parce que comme organisation n'a pas expiré toute quantité de monde, l'espace est réservé pour mettre des fleurs. Yo. C'est un coin de porte. Donc, et il y a trop de fleurs qui viennent faire que nous avons fleurs empilées sous fleurs. Et si il était peut-être prévoir ça, on peut peut-être voir que c'est tout devant l'aquarina qui vient fleurs tellement, mais qui a recevoir fleurs, bougies, cartes, posters, et monde tout partout, et monde haïtien, et monde martiniquais, et monde qui finit, moi, rencontre qu'on y voit rien. Et qui vini, moi, rencontrer des blocs de monde qui sont des diaspora, qui sont aux États-Unis, Canada, qui étaient venus dans le concert là, qui est toujours Paris, qui étaient venus. C'était un bel événement. Mais vraiment, un bel événement parce que les soulagés, puisque, pas tout préciser ça en général, Mika était dans une période de carrière, côté que, il était pensé que, et, il devait faire beaucoup plus pour gagner confiance nouvelle génération, parce que il était l'impression génération qui grandit avec elle. Pas de supporter le genre, t'es supposé supporter là. Et m'étais très content, ouais, c'est mon toute génération qui t'est venu à l'hommage, et m'étais certain que le content côté lié. D'autant plus que appel pour venir déposer fleurs, pas de fête trop longtemps, c'est même lundi à que le délancé. Justement, parce que lundi dimanche, le Aqua Arena a fait tweet, il y a, moi, m'a dit au ça, et puis, il n'y a pas à me répondre, moi. Et Fito lui-même, qui pratiquement leader équipe qui était à t'es occupé dans causer monter dans commissariat et l'autre bagaille, je me suis dit gérer ça. Et puis c'est tag moi sur poster, et puis moi dis bon quitte me partager poster, me contacter mon lieu, moi c'est des monde qui très sérieux, je dis que yo contacté Aqua Arena déjà, et Aqua Arena bio espace ça. Et puis me dit bon pas de problème, m'a mettre comme la dani, et puis c'est ça, ah, mais moi mon yo vraiment content et que yo finalement capable de rendre Mika hommage, parce que majorité là dedans était dans concert là. Et ou vivre en direct ça qui passe là, et ou bien il y a des gens qui ne connaissent même que la situation est passée comme ça, mais on te connaît Mika, donc on te vit quand même, et on peut le faire déposer, et mémorial ça a prêté devant Aqua Arena jusqu'au funérail Mika. Donc je dis à dans le jour qui vient, on n'a pas continué toujours à porter hommage par eux à Mika et devant Aqua Arena. Quel père, vous parlez depuis qu'il l'a même? Moi, pareil, depuis mardi, moi, atterri mardi 11, moi, sauté en porte malé dans la répétition. Qui ont été ouais, Mika, premier jour, là? Et premier jour, au contraire, moi, texte avec Mika, parce que, Mika arrive en jouant avant, mais il arrive même jouer avec musicien, on a lundi. Et puis, moi, dis, monsieur, ah, mon gros, on va d'abréater ça. Monsieur dit, t'es 12 ans, parce que, en fait, répétition qui était faite, New York, yo, que moi, t'es participé là-dedans, Mika pat là. Mais comme c'est deux musiques seulement que l'a chanté, Mika a joué avec Karimi pendant longtemps, donc c'est pas de grande nécessité pour le dire dans la répétition de New York. Yo. Donc, en un mot, et monsieur tout a essayé de faire secret sur les invités, yo. Même avec Princess Lover ou bien Tina, c'est un peu le monde, c'est dans la répétition Paris, à que vous venez, ou pas dans la répétition qui était faite New York. Yo. Donc, le mot, Mika arrive, me dit, qu'on n'a pas la cabala, et m'a venu pour me faire l'obéir. Et puis, comme venu, ambiance répétition, c'est ton ambiance, très professionnel que le tout le monde était sous travail. Et Mika lui-même, qui a fait deux musiques que le monde ouais, que le était fait dans le concert là, et a activement participé dans toute répétition parce que il était décidé pour un micro pour le faire chorale. Là, il décidé pour un micro pour le faire chorale, c'est pour montrer en tout que Mika engagé dans tout ça qui a rapport avec musique parce que il n'y a pas de gain, obligation pour faire. Karim a gagné deux dames qui a fait chorale pour lui. Richard avec Carlo, normalement, fait chorale pour Michael. Si Claude gagne un micro pour faire chorale, Nolzi a un micro pour faire chorale. Donc, il n'y avait pas une nécessité pour que Mika ait participé activement dans ça. Mais comme il aimait la musique, comme Karim, c'est jazz, et comme il est super excité par rapport à ça, il était là. Mika était dans son chaise, il était dans son chaise bien posé. Au contraire, il nous fait blague sur lui parce que t'as gagné des bonbons et qui étaient sur la table, mais c'est sur la table côté bonbons que Mika chita pour le faire chorale, je vois dans tout ça. Mais t'es toujours dit, monsieur, et c'est parce que lui voulait manger bonbons qui fait que lui était pour la table qui gagne bonbons pour le faire chorale là. Et puis c'est ça, c'était ça l'ambiance. L'ambiance aussi, c'était nous prendre des pauses à des heures fixes, puisque grand restaurant qui servait nous manger. Et pendant la répétition, hein. Donc le restaurant
préparer manger, donc tout le monde pour break. Dans le manger, nous mangeons ensemble, Mika Chita avec tout le monde, nous baillons toute blague, nous retournons encore pour faire répétition. Côté que m'a avoué que répétition était très dure pour les autres musiciens, et parce que ils répétaient de littéralement 10h du matin à 8h du soir, c'est le samedi qui se passe là, mais répétition certainement déroulée entre 11h, nous pour break, vers 1h, 1h30, après ça nous retournons vers 3h jusqu'à 6h, 7h du soir. Et dernière répétition, Mika était extrêmement très involved là-dedans. T'aime dire involved, ça veut dire monsieur a baïté, monsieur a participé, Mika tout par rapport à la musique, grand clip que m'était posté. Pendant que l'autre monsieur était dans pause, répétition pas trop recommencer, Mika prend une guitare pour le jam avec l'autre musicien qui pas forcément dans Karimi, il était gagné Tiben Giran qui était là de vibe, t'es gagné et Joel qui devine jouer qui bot, etc. C'est tout une ambiance extraordinaire que t'es gagné rien vraiment, France, jusqu'à la dernière minute. Les Mika quitté scène là, qui était prévoit que Mika a un problème ou un malaise quelconque qui était qu'à faire nous suspect ou bien inquiété de sa situation. Quasiment de mardi jusqu'à fin spectacle, ou ouais Mika ou pas la Mika et Mika pas de plein de rien. Mika pas de plein de rien. Au contraire, vendredi, nous off. Et puis, parce que dernière répétition faite jeudi, c'est 4 jours de répétition sur Paris, lundi jusqu'à jeudi. Vendredi, tout le monde off. Et puis, nous descendons dans même l'hôtel, ma petit déjeuner avec Mika. Et puis, moi dis, Mika, ma chèche un barbeur, est-ce qu'on pas gagné attention à faire chevaux? Je dis, non, mon chien, je suis aussi pas toute fraîche, je pas juste un bagage comme ça. Et puis, on a parlé de l'autre bagage, nous mangeons ensemble. C'était JP, moi-même, Tiben, Mika. Et avec Stanley, nous, avec danseuse, nous mangeons ensemble dans l'hôtel là. Mika était correct. Moi, dernière interaction que j'ai avec Mika, c'était pendant l'entracte. Parce que Pessa Soli en fait a pris l'entracte là dans la deuxième partie et concert là. Pendant l'entracte là, moi ouais, monsieur, puis m'a chanté avec lui. Et refrain Carnaval 2015 là, nous refait encore, nous refait encore. Pour qui ça? Parce que il est toujours là avec Karimi, et que le tenant qu'on concert ça y est sur l'Europe, que le tenant carnaval, et il est toujours à me dire nous refaire encore, et Mika était aux anges pour qui ça, parce que Mika aimait Karimi, Mika adorait Karimi, Mika aimait monsieur. D'ailleurs, dernier message, c'était un message pour monsieur. Et Mika est toujours là pour Karimi, le Michael Guirin, t'es prêt. Premier pause avant que Jazz a crasé, c'est Mika qui était remplacé pour ça, pour Michael. Les Richard ont fait Jazz, c'est Mika qui kembe mais Richard littéralement parce qu'il a beaucoup plus d'expérience comme lead singer pour te chanter avec Kai et lancer Kai à ses débuts. Donc Mika est très involvé dans ça et Mika est très. C'est un gros supporter et fanatique de Karimi avant même que le musicien et le monde qui a contribué à la production de jazz. Donc pour M. Ouais, on s'en remplit comme ça. Pour les sept là, bien passé, littéralement parfait, nous tout le monde, aux anges, t'es chanté, t'as chanté dans l'ange là, avant que lui-même lui retourne monter sur scène. Alors, m'a tombé qu'on y a dans la journée samedi, samedi, depuis bien bon musicien était déjà dans l'Aquarena. M'kwaza Volop vini dans l'après-midi. Qui j'en oui. Te joindre Mika samedi avant concert là? Le privé, moi je joindre Mika parce que t'es deux étapes. Parce que faut que l'équipe production te fin installer pour que Diaz a fait balance. Donc, moi vini joindre Mika et non état à côté que c'est si l'aptile parce que. Et pour le coup, balance qui vous est fait, nous tous tapons ces apprentis, espace là, pour nous dire, waouh, regarde comment espace là grand, chaque nègre a fait photo, Mika a fait live, Mika a fait vidéo, et tout le monde est dans la même ambiance, il tape dans le balance en fin de fête lui-même, parce que, Mika a son performer, Princess Lover, Tina c'est performer, donc il a checké son paio, Mika a fait balance par lui, avec Jazza, et puis ça, tout le monde retourne dans le jeu. Calme, chill, relax, by blague, en attendant que le concert va commencer. Le concert après avoir commencé, Mika, dans le deuxième set là, mais Mika, t'es backstage pour t'es ouais, et intro, Karimi, hein, parce qu'il connaît que Karimi t'a mal fait intro, et important, tout le monde était là, caméra, téléphone, tout le monde a filmé, pour ça que passer à le jazz à la gué, et quoi, sur deuxième musique là, ben, c'est en flamme, déjà, Mika a content, Mika a sauté pompé et dans backstage. Donc,
c'était vraiment France et moi je raconte ça, moi m'a pu vivre dernier moment ça et c'est un Mika souriant, c'est un Mika qui est content, c'est un Mika qui était sous ça, c'est comme si son monde qui parlait pour le faire la prestation de sa vie quoi. Tout à fait. Moi me croiser Mika, elle me passer dans backstage. Et m'bala collade, nous saluer, gen des dames, quatre mesdames qui rappellent, elle fait photo, elle fait photo avec eux, qu'on sait à pourquoi commencer. Lors de l'abtenne introduction Karimi, on était campé en bas ou on était en l'air sous stage, déjà. Oui. On était campé côté dans un certain moment, drapeau était déjà paré. Oui. Et il gardait, et puis après ça, l'entrée, elle finit préparer lui. Maintenant, Mika a monté le podium, non? Mika a performé. Oui. Car elle s'est obtenue en l'air, parce qu'il y a l'autre monde qui est en l'air comme journaliste haïtien, oui. S'est obtenue en l'air. So, ouais. De commencement prestation Mika à fin prestation Mika. Ok. Mika monté sous scène, Mika délivré, j'en supposé délivré, j'en habitué délivré. Mika arrive en côté, côté que, dans parti pal, là, ou parti, parce que c'est show pal, que ni pas ni Michael, ni Richard, personne à faire, c'est son show. Dans fait ou parti. Et, monsieur délivré, j'en pour le délivrer, et Mika toujours chanté, toi, dans la souris. Donc, à regarder les vidéos, à regarder les photos, Mika était aux anges. Et pour moi, Mika joue plusieurs grands concerts, Mika fait plusieurs carnavals. Même pas quoi que Mika jamais joué devant un public qui est aussi respectif avec musique. Et c'est pendant la jouer, hein. Moi-même, personnellement, il demandait, ah, tout le monde a fait photo de dos, les besoins photo, et de fond, c'était déjà. Je ne prenais que la caméra, je n'ai pas fait photo, je me dis, monsieur, qui a fait photo bien loin comme ça, je me dis, monsieur, je vais laisser faire le pour vous, j'ai laissé demander depuis dans la traque. Et puis, pendant la fin de faire ou partie, je me dis, quittez mal courir, faire vidéo avec photo pour Mika, je descends dans la foule là, je vais aller côté, et ingénieur de son, je joue dans le fond ça là, pour me faire des photos. Quand je finis de faire photo, je vais pour retourner, parce que je ne parlais que prestation là finie, et avec moi, je vais courir et retourner. Et c'est pendant que je retournais pour ça, son n'est pas fini parce qu'il y a deux mondes qui étaient là pour parler avec moi. Et pendant que je suis là pour parler avec moi, puisque je suis sur le balcon, hein, dans des bruits, hein, les mains de sac passés parce que je me regardais, je me dis, Mika tombé. Dans tête, pas moi, je dis, tête, moi, pas de rien sous scène, non, qui t'a fait mon tombé, sous des plateformes, pas de niveau, pas de rien, et tout, pas de rien qui t'a fait mon tombé sous scène, non. Et là, ça me courit, monter, et là, me rivé au guetin, rapidement, et c'est pour ça que je voulais préciser ça, tout parce que un peu le monde pensait que secours était prêt à temps pour dériver. Aussitôt que Michael dit les secours, t'es gagné au moins 4 à 5 secouristes. Ben, moi, je confirme mon bagage, parce que même devant Stedja, je suis en bas, secouriste était campé à côté Stedja. Je demande de monter, ou seulement monter. Mais on était déjà là. D'ailleurs, journalistique, il y a une remarque que tu as fait. Pour qui ça, tout secouriste, on est à quoi Arena? Mais se trouve que tu as un secouriste, tu as un pompier, tu as tout le monde qui pour là. Tout le monde était là, justement. Oui, parce que c'est parce que c'est comme sa production. Et donc l'homme rivé, moi, ouais, que yo a essayé de réanimer monsieur. Et pour qui ça me dit réanimer, parce que il avait les yeux ouverts. Donc, il est tombé, les yeux étaient ouverts. Donc pour moi, c'est un signe de mort. Et yo continuer et faire CPR ou bien réanimation, yo fait là avec appareil, yo fait là avec main. Et puis t'es une période si moun yo songe puisque plus pas de quoi évacuer ça là et nous t'as pas de grave, on t'es content. Oui, tout à fait. Justement parce que yo t'es pas émotion choc et nous t'es gain impression. Quand dit gain impression parce que lui mourit donc nous t'es gain impression qu'il respirait. Donc on était très contents. Et puis, bon, ça a continué, ça a pris du temps. On notait comment c'est venu patient. Et puis après, équipe SAMU est venue. Parce qu'il y a deux équipes qui travaillent sur Mika. Il y a mon premier secours. Yo. Et puis il y a l'autre monde qui était venu en blanc. Yo. C'est d'autres professionnels qui étaient venus avec l'autre appareil, l'autre bagaille. Et c'est eux-mêmes qui viennent avec l'autre appareil, encore une fois. Et qui a essayé de réanimer Mika et qui fait l'opération. Mais pendant tout ce temps, nous pas quoi ne pas à la mort. Et puisque nous pensons que là, c'est des professionnels qui l'ont
yo gen équipement nécessaire, mi kabaron vie grand monde, son jeune garçon 41 ans, c'est pas son nèg qui te gen pièce malaise déjà, donc mi a sorti de ça, peut-être qu'il y a des séquelles, mais il va s'en sortir. Et puis, le temps a passé, et puis, le mois où fait l'opération, hein, bon, on devait perdre espoir, mais le mois où fait l'opération, hein, moi, je dis, si vous avez fait l'opération, c'est parce que vous avez une possibilité. Et mais pendant l'opération, on ne pouvait pas regarder du tout. Ils ont fait nous tout déplacer, ils ont devine couvrir couverture beaucoup plus. Et puis c'est vrai, et puis nous, mais c'est au fin de travail. Et puis ils ont demandé ça de passer, et puis ils ont dit que qu'il est mort. Et puis qu'ils n'ont plus rien faire, etc. Et qu'il a demandé pour nous quitter l'espace. Bon, premier monde qui crache, c'était Tijouel, le batteur. Parce que Joël était très proche de Mika, et d'ailleurs, j'étais même voulu goumer avec médecin ou même pour le vivre, pour toucher Mika, ou bien mal, ou forcer ou continuer de travailler sur Mika, c'est nous-mêmes qui campions. Et puis c'était, on était devant, justement, cette dure vérité qui cassait, on coûte de l'eau frette, et après toute belle chaleur et bel moment, et qu'est content que nous t'aiguions, et tout le monde frise. Et puis, tout le monde est distinctement tombé crié. Bah ouais, au monde qui t'aiguions un visage, sans émotion, là, pendant période, ça. Fito, Richard, par exemple, qui était paraît au début, dans mon équipe au déni, qui peut-être, comme ça, Mika, on dit, c'est comme ça, monsieur Tillier. Mika Fon, et Carlo lui-même, pas même, était sous stage, à monsieur Koury, aller backstage, et toute la production, l'équipe de ACP, c'était extra, et moi-même, quand il y a, moi, t'es venu qu'on nécessité, parce que tellement il y a monde qui a pris les, et tout le monde qui a montré, le monde qui a tenté de je devrais annoncer la nouvelle. Lorsque j'ai demandé à un policier qui était là, parce que le police qui était là, qu'est-ce qui se passe, il a dit qu'il est déclaré mort. Moi, parlé avec une amie de secteur de travail sur le livre, il est mort. Je parle avec l'autre monde, il m'a dit qu'il est mort. Et puis, il m'a demandé, est-ce que sa famille est au courant? Il a dit, oui, sa famille est au courant. Et puis, moi, fait tout là. On fait tout là à minuit 18, en fait, qu'a dit. Depuis peu avant minuit, quoi. C'était fini. Oui. C'était fini. Et c'est. Mais nous, quand même, dit quasiment depuis Mika tombé, elle n'a pas jamais depuis Mika tombé, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que, Jean Doulol, je me l'ai regardé le clip là, qui fait encore plus mal. Et garder Jean tombé, c'est un monde qui est déconnecté. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est un monde qui est déconnecté et puis il est vidé. Et cette dernière photo que je vais parler de lui, c'est. Pataka fait mon croix bagay ça. Parce qu'il souriait, il marchait avec très content parce que le public l'applaudissait encore. Là, il finit chanter. Oui. La photo ça. Oui, il finit chanter la photo ça et c'est dans la route pour l'aller. Et ça, c'est une des amis qui est en l'air qui partage la photo ça avec moi hier. Okay. Il dit que je ne pas croire, il m'a regardé le téléphone moi qui photo que je okay. Et puis, il partage avec moi, il me dit waouh, l'important que je fais mon ouais, j'ai que Mika marche vers la mort. Oui, les fins chanter, les salles au public là, le dit public là, à mon public là. Oui. Les virer, les finir, la retourner dans la place là, et puis les tomber. Les tomber. Moi-même, j'aime de la sang bamdé, c'est bouillard seulement, m'entendez tout. Justement. Ils sont gros bruits, hein. Oui, tout à fait. Oui. Ils sont gros. Alors, maintenant, on me dit, mais qui a battu à faire tomber? Oui. Parce que c'est un coup, on bruit, bon. Bref. Non, ils ont lâché, monsieur, ils ont juste déconnecté les clips, ils tombent. Et c'est ça. Et comme j'aime douleur, moi-même, le m'rivé, depuis le premier soin, les yeux étaient plus ouverts. Ouais. Et les yeux vont me battre jusqu'à la fin. Ouais. En tout cas, Karel Pet, merci pour témoigner ça. Merci tout pour essayer de mettre fin à une série de. Bon, d'accord, dit presque des histoires que Haïtien a inventées. Oui, parce que tout le monde était en bail, qu'il était dans route pour l'hôpital, il était à l'hôpital, que l'opération que tu as fait là, ça pareil, non, il a subi une opération à cœur ouvert.
sous scène, et parce que c'était dernier recours et pour te sortir. En réalité, je suis toute procédure pour suivre avant de déclarer ou mourir. Tout à fait. Je fais tout ça pour faire vous. Ouais. Justement, il fait toute bagaille et c'est pour ça que nous-mêmes nous avons espoir et tout le monde a prié, mais et c'était son moment et pour moi aussi c'est m'a gardé ça passé hein. L'incroyable mais les tant que pour moi c'est un coup monsieur qui contrôle et moment par là dans le sens que et il s'était peut-être dit bon il me dit ça comme si ma pièce imaginée moi parce que ma pièce cherchait explication que dès ces moments ça pas m'en aller qu'on y a ma bonne au dos me fait dire moi mais nous m'aller on fait tout ça et puis et voilà fait tout ça me fait pour nous me fait tout pareil moi dit nous moi mais nous et puis je m'en vais et m'aller sans poser question sans souffrance sans rien blip. Et c'est ça aussi qui fait que qu'on y a en pile dans nous à chercher explication et moi j'entends Michael qui dit que vous sentiez coupable ça, parce que en pile dans nous dans ça parce que quelque chose que nous t'es décalé spectacle à 2-10 minutes est-ce que c'était commencé on time parce que en pile si et ça nous fait mal Bien entendu mon cap fait imagination au travail sous mi quatre dans l'escalier à quoi monter sous scène non ça on dit à ça. Non, Mika son monde qui doit transpirer, friends. Donc, Mika transpire et Mika, il y a trois traits de Mika qui sont toujours importants. Mika son monde qui doit passer bien dans la figure, parce qu'il transpire beaucoup. Et là, c'est deuxième bagarre là. Et puis ensuite, Mika toujours avaler sa livre. Mika, c'est un connu qui trouve une grosse salive qui fait glout tout le temps, même quand il parle. Ok. Donc, c'est trait de caractère que Mika a gagné. Et pour moi aussi, c'est que si Mika se sentait aussi mal, on pourrait peut-être sentir ça dans la prestation. Mika a sauté pompé, Mika a été on point, Mika a perdu voile, il n'a pas détonné. Et le Michael, le finale, Michael Rillel, parce que l'idée sous scène n'a pas compté. Donc Michael qu'on y a pris le reprendre pour faire l'autre musique là. Donc Michael oui, il est monsieur Livid Vini. Donc s'il se sentait mal, je pensais que l'alté fini, il était bon sensation, c'est courir pour le découvrir, aller peut-être pour le talchita, pour un répit, etc. Mais il marchait tranquillement là. Pas gagné 4 passé 3 jours pas dormi non plus. Pas gagné 4 passé 3 jours pas dormi. Parce que, pour qui ça, je suis bien content de dire ça, parce que nous avons amplement le temps pour nous dormir. Et avec jet lag, c'est normal que décalage horaire, sonnègue ou pas dormi, j'en ai obligé de dormir. Mais moi-même, par exemple, vendredi matin, le mois Mika était frais et nous parlait justement, je parlais de fraîcheur, il dit sorti avec tampa, avec toute fraîcheur. Est-ce que Mika t'a pas inquiété pour Fredo? Bien sûr qu'il s'inquiétait pour Fredo. Et il parlait de ça avec moi dans la répétition. Parce que moi dis, est-ce que le gars nouvelle, c'est moi qui abordé sur ça, moi dis, est-ce que le gars nouvelle Fredo? Je fais, frère, bah, il y a du. Et puis, je dis, monsieur, je me posais une question, ça, pas directement. Je dis, monsieur, mais hey, comment sens-tu, brother? Monsieur dit, Karel, pas qu'à Jumen, bah, ça, et, non, mais moi, tout le temps, mais il ne pas fait pièce rapport avec, capacité pour le performer parce que moi je connais que Mika aime la musique. Mika, je sais que Mika dans n'importe quelle tristesse, dans n'importe quelle circonstance liée, la pure musique et pour la peine, John Dabdoulan, c'est pas de paraître un monde qui était distant ou bien un monde qui était préoccupé pendant que le était dans la répétition parce qu'il faisait de la musique. Et même quand on était John Dabdoulan avec que le était dans petit déjeuner pour vendredi ou bien dans backstage, etc. Il participait, il était là, il était très actif. C'était pas quelqu'un qui était pensif. C'est pas un monde comme si vous dites, yo, Mika, man, what's going on? Ça a fait courage. Vous pas senti ça. Ça veut dire, si Mika pas d'où que les gars et on proche les gars kidnappés, personne n'a pas besoin de connaître. Moi-même, moi, connais parce que moi, proche et famille Mika. Tout. Même certains qui ont pile dans le musicien, peut-être pas même au courant de ça parce que Mika pas déjà montré pièce signe de ça. Ce qui se passe dans sa chambre, pendant la nuit, je ne connais pas,
mais pas de pièce signe de on est qui fatigué, on est qui jet lag. Elle me dit que dans le petit déjeuner, il était 7h du matin, nous chit ensemble dans le petit déjeuner. Et 7h du matin, on figuimika bien frais. Donc on est qui était bien reposé. Ça, c'est ça que moi songé. Dans les répétitions, c'est la même chose. Aqua Arena, c'est la même chose. Donc, pour moi, il n'y avait pas de. Et pour moi, je pensais tout que Mika très proche au monde de Richard. Et que s'il y avait quelque chose, il t'a dit ça. Si, somehow, il n'a pas senti bien, il t'a dit ça. Mais comme moi apprendre que il avait dit à sa femme qu'il était fatigué, mais peut-être qu'il était assimilé fatigue ça à décalage horaire, etc. Ou bien peut-être aussi, parce que je pas oublier que Mika, pas sous scène en termes de jouer, même genre avec le même rythme que et Richard avec Michael ou bien l'autre musicien. Donc de ce fait, sorti dans l'aéroport, aller dans la répétition, rester jusqu'à 8h du soir, et rentrer, on s'est dit très tard, parce qu'après une fin de répétition à 8h du soir, on a mangé, et très souvent, nous, songez, premier jour que j'y viens à la mardi, on a été manger ensemble dans le buffet créole d'un restaurant haïtien qui Saint-Denis, et puis nous sommes ensemble, nous finalement rentrer, il était 11h du soir, quoi. Donc, de ce fait, je me supposais avant 11h du soir, fini rentrer, etc. Mais quand on est qui aime la musique, peut-être qu'il travaille sur deux, trois musiques, ou bien décalage ou la fait que mon en Haïti continue à parler avec elle au milieu de la nuit, ou quoi que ce soit, qui fait que peut-être il pas dormi comme un monde qui peut-être est dans le temps normal pour dormir. C'est ça qui arrive nous toutes. Alors, en dernière question, est-ce que Mika t'a réputé faire attention, des problèmes que, est-ce que ça t'est pas allé? Non, pas ça que nous connaissons. Au contraire, et seule référence cardiaque que nous gagnons nous-mêmes, c'est parce que nous connaissons ses parents, justement, et fait maladie que. Donc, est-ce que c'est héréditaire qu'il a hérité de quelque chose ou quoi que ce soit? Pas qu'on ait, parce que l'autopsie a préalé peut-être beaucoup plus de détails de sous vraiment qui ça qui peut être cause la mort, et qui peut être causé la mort, etc. Ok. Merci beaucoup, Karel. Merci, Francis. Merci, à bientôt. Ouais. Kembe, mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien, on agit. Entre désespoir, de machination politique, et l'énoncé, mon éditorial, vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2h, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le fait débat.